Maïs Abbé vient d'Algérie, c'est son pays natal. Elle a 12 ans lorsque la guerre d'Algérie éclate. Son père est mort en se battant pour le FLN. Maïs Abbé se nomme en réalité Samia Ben Amer. Elle utilise ce pseudonyme car elle écrit en pleine décennie noire. La décennie noire est la guerre civile algérienne qui a opposé le gouvernement algérien aux islamistes. Elle publie son premier roman en 1996 à l'âge de 46 ans. Désormais, elle habite à Sidi Bel Abbès, une ville située à 80 km de Rouen qui compte 260 000 habitants. Elle appartient au mouvement féministe. La plupart des personnages de ses romans sont des femmes. Son roman dénonce les violences faites aux femmes en Algérie. Rachid se penche sur le corps de sa mère, il a de la peine à se dire qu'elle n'est plus maintenant que cette forme inerte. Cinq enfants, deux filles, seules. Dis, est-ce que je peux ? Non. Pourquoi ? Parce que. Pourquoi parce que ? Parce que c'est comme ça. Et c'est tout le temps comme ça. Dis, est-ce que je peux sortir pour aller jouer en bas avec ma copine ? Pourquoi ? Parce que. Pourquoi lui et pas moi ? Parce que tu peux pas, c'est comme ça. Parce que tu es une fille. Depuis plusieurs années, on parle de plus en plus des discriminations filles-garçons. Maïs Abbé en parle dans cette nouvelle en dénonçant la mère qui laisse sortir son fils. Mais jamais sa fille. Mensonge glisse, sort de moi presque à mon insu, avec une spontanéité qui me sidère moi-même. À la fin de la nouvelle, on comprend que la narratrice est devenue mère et qu'elle reproduit le même modèle avec sa fille en lui interdisant de sortir. On comprend que l'histoire recommence encore et encore. Je passe mon tour, moi qui n'attends personne et que personne n'attend. Et Warda la boiteuse, la pauvre Warda, la mal nommée. Janvier 1962. Que me réserve cette année ? Encore et toujours la guerre ? Cette nuit, bien après minuit, j'ai été réveillée par plusieurs explosions toutes proches. Encore des charges de plastique, j'ai entendu les sirènes des ambulances.
partir de maintenant, tu dois apprendre à vivre avec ça. Quand il a enfin prononcé ton nom, j'ai même pensé. Oui, je m'en souviens. Je me suis dit, elle a de la chance d'avoir un si joli prénom quand je pense à celui que mon père m'a donné, sans même consulter ma mère. Oh, comme je t'ai haï pour ça aussi. Et puis, je vais te faire sourire. Je t'ai imaginé très fragile, très menu, avec des yeux en amande, des cheveux très noirs, un peu comme une chinoise, à cause de mes lectures sans doute. Avec mon statut de première épouse, déjà mère, je me voyais régner sur toi et sur toutes celles qui pourraient se succéder ici. Gloire aux concubines, un avant-goût du paradis, à ce que disent les hommes, en tout bien tout honneur. Ce n'était qu'une question d'accommodement, de programmation, de répartition, égale des droits et des devoirs. Et si nous nous levions maintenant, viens là, laisse-moi te coiffer ma douce rousse, fille de Satan, et dépêche-toi de t'habiller, il ne va pas tarder à rentrer.